Bonjour et bienvenue. On est reparti pour plus de The Long Dark. Je commence pas mes intros normalement comme ça, c'est très étrange. Bienvenue pour un nouvel épisode de la survie du week-end. The Long Dark, nous avons un nouveau compagnon. Enfin, techniquement, il est mort, bon, on le trimballe sur nous, bon, donc on peut l'appeler, on peut appeler ça un compagnon. Enfin non, je les ai inversés, donc celui-là, c'est le nouveau. Donc le manteau en peau d'ours neuf, tout neuf. Donc oui, celle qui vient de... Ça serait marrant d'avoir le... Genre, d'où vient l'ours? Enfin bref. Celui-là qui vient du canyon des cendres, du coup, bah, il a eu le temps de sécher, comme j'ai dit. J'ai passé, je crois, 2 jours pour me remettre de la vie et tout ça. Je vous mettrai aussi la vidéo de comment j'ai combattu l'ours d'ici, parce que oui, on a une nouvelle peau d'ours, donc je vous le montrerai. C'est un peu étrange ce qui s'est passé, c'est qu'il dormait, le truc c'est qu'il dormait, donc je me suis approché doucement et tout ça, je lui ai mis une flèche dans la tête, ça l'a pas tué, mais il a réagi en fait super bizarrement, je pensais pas qu'il allait faire ça, je crois qu'il essayait de me charger. Et en fait, il m'a tourné autour, puis après, il est parti au loin, et il s'est re-endormi. En fait, je lui avais mis 2 flèches, je crois, à ce moment-là, ou 3 flèches. Il s'est re-endormi au bord d'une falaise, et après, je lui ai remis des flèches. C'était très étrange, c'était très étrange. Mais il n'a pas vraiment fait ce que je pensais, donc ça m'a un peu surpris, sur le coup. Donc, ne faites surtout pas ça, parce que c'est un peu dangereux, c'est un peu dangereux. Donc, ne faites surtout pas ça, ce que j'ai fait. Il y a toujours genre un avantage du terrain, parce que moi j'étais en plein devant le truc, c'était un peu risqué de faire ça. Dans tous les cas, donc je suis prêt. On a un morceau de ferraille, ça sera pour réparer notre scie, parce qu'on va en avoir besoin, je pense. Nous avons du gibier, j'ai récupéré aussi quelques morceaux d'ours, je les ai fait cuire, pour avoir plus de 1000 et quelques calories à chaque fois. Attendez, c'est ça que je voulais virer. Ok, très bien. Donc, alors, la chose, c'est qu'on a 2 endroits par lesquels passer. Alors, carte. Alors, on peut passer par là, le chemin comme ça, ou on peut passer par plus ou moins le centre, ou alors par le côté gauche. Mais le côté gauche, je crois qu'il manque des cordes. Mais je crois qu'il manque des cordes un peu partout. C'est ça le truc. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre une corde avec nous. Le problème, c'est que c'est 5 kilos. Mais honnêtement, je crois que ça vaut le coup. Je pense que ça vaut le coup, en fait, de prendre une corde avec nous. Donc, du coup, on va devoir un peu se blinder. On est à 3,5 kg. On va être en surpoids. Ce n'est pas grave. Et on va partir maintenant. On a tout, on a ça, on a tout, on a de la nourriture. J'ai envie de dire qu'on pourrait peut-être déposer un peu de nourriture par terre. Après, c'est pas très... C'est pas très lourd, mais bon, quand même, en fait, une fois que... Une fois que vous en avez autant, en fait, dans l'inventaire, j'avoue que ça monte vite, en fait. Vous voyez, déjà, on est à 43. Ouais. Ketchup en mauvais état, c'est pas grave, on peut toujours le récupérer sur nous. Oui, oui. J'ai peur, des fois, que le jeu, en fait, me détruise mes trucs. Ok, là on est bien. On va garder ça parce que ça fait de l'eau. J'ai envie de déposer le café aussi tant qu'on y est. Et ça. Voilà, ça nous fait des trucs. Voilà, on est à 42,77. Vous voyez la différence quand même? Rien que pour ça. Let's go, on y va. Alors, ça c'est les morceaux d'ours. C'est parti. On a sur nous 16 flèches. En tout, on a un loup qui est revenu sur la gauche.
Le cerf, je vous l'avais déjà montré. Oui, je vous l'avais déjà montré. Donc il n'y a pas de problème. J'ai combattu des loups la dernière fois aussi. On a failli crever. J'ai rien fait de nouveau, bah, à part l'ours, hein, tout simplement. Donc ça, je vous l'ai montré. Il n'y a pas de problème. Ah, on a un loup ici, à gauche. C'est embêtant, ça. On va essayer de l'éviter. Et ce qu'on va faire... Alors, si je me rappelle bien, en fait, cette zone, le mont Timberwolf, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Mais je suis allé après regarder ce que j'avais fait. Et c'est vrai, en fait, qu'il y a des... Putain, je crois qu'il m'a senti, ce con. Il va me voir ou pas, non, mais il m'a flairé, quoi. Il m'a flairé. Enfin, bref. Il y a des endroits, en fait, pas mal. Il y a des trucs pas mal à faire ici. Et on va commencer par faire un truc pas mal directement, c'est qu'on va directement descendre, en fait. Vous vous rappelez, il y avait le pont là-bas avec l'arbre tombé, si vous vous rappelez bien. Nous, on va directement descendre. Et là, on a une corde. En fait, il y a plusieurs passages et tout ça. Et honnêtement, c'est assez fun, le Mont Timberwolf, si vous le prenez bien. Donc là, on a une corde pour aller plus vite si on veut monter. Mais nous, on va descendre pour pouvoir remonter. Et en théorie, ça devrait bien se passer. Il y a pas mal de grottes aussi. Je sais pas si... J'ai ma lampe. J'ai ma lampe. Alors, la lampe pèse un peu lourd, je sais. Mais bon. C'est utile. Parce qu'il y a des grottes et on peut un peu visiter les grottes. Voilà, on va passer par là. Alors, il y a des loups en bas. Faire gaffe. Et on va passer par là. Et oui, pour ceux qui se rappellent des dernières saisons, on avait fait ça. Et c'est vraiment pas mal. Alors vous mettez accroupi, vous passez en biais. Il y a une tempête qui se lève, donc ça tombe très très mal. Mais c'est pas grave parce que il y a une grotte pas loin. Donc c'est pas trop grave. Ok. Gaffe. Alors là, vous passez par là. Hop. Hop. Un peu sur les côtés. Tac, tac, tac. Boum. Et voilà. Donc on a un loup. On a un loup. There's a god here, freezing. On a un loup, on va voir si on peut pas se le faire maintenant. Ou alors on va se réchauffer, mais je voudrais bien le faire maintenant. Comme ça on n'en parle plus. Et on a une caisse là-bas à ouvrir. C'est plutôt cool ce système, ce passage ici. Est-ce qu'il va venir sur nous ou pas? Là aussi on a une corde. Il a eu peur, ok. On va se réchauffer. On va se réchauffer là. On va ouvrir le contenu de cette caisse quand on aura un peu de chaleur. Et on va en profiter pour tout reposer sûrement ici. Si jamais c'est pas intéressant. Qu'est-ce que j'avais fait? Bonjour. C'est quoi ça, du bois? La grotte du gouffre. On va se mettre à copier, on va faire ça. Voilà, très bien. Souvenir avec conseil. Donc c'est cette grotte là. Donc c'était quoi? C'est où déjà qu'on voit la grotte? Non, je me rappelle plus, honnêtement. Je me rappelle plus de ça. Enfin bref, c'est pas grave. On va boire un peu.
Alors, on va faire comme ça et on va dormir une heure. Très bien. Faut faire attention, il y a toujours le loup. Voilà. Il fait pas très froid, très bien. On a une. Donc on a la corde ou on a le chemin. On va prendre le chemin. Vas-y, ramène-toi. Ça c'est fait. On va pas passer par là. Alors là, ça nous raccourcit le chemin. C'est un fait. Ça nous raccourcit le chemin. Mais on n'en a pas vraiment besoin. C'est parti. Si vous aimez pas le bruit du métal et tout ça, cet épisode va être sûrement très très relou pour vous. Ok. Ça m'embête de devoir retourner vers la grotte. On va laisser les choses là. Qu'est-ce qu'on a eu? Des chaussettes. Chaussettes en laine neuve. Attends. Ok, très bien. Des chaussures. Un gilet. Enfin, un t-shirt. Un jean. Ok, nickel. On va laisser ça ici. Parce que je voudrais le mettre dans la grotte, mais pas la peine. Puis les choses seront gelées, c'est pas grave. Oui, ça va prendre l'humidité, ça va geler. Mais honnêtement, c'est pas grave parce qu'on va pas le porter. Mais j'ai pas vraiment envie de faire un aller-retour. On va le laisser là. Et ce que je ferai, c'est que... Enfin, j'ai envie de dire que ça m'embête de le laisser là quand même. Enfin, c'est pas grave. c'est pas grave. De toute façon, il n'y a rien de très intéressant. Il y a les chaussures à la limite. On peut en faire du cuir, voilà c'est tout. Mais quand je redescendrai, j'irai tout reprendre et je mettrai tout dans notre petite cabane. Donc là on a une grotte. C'est une grotte assez grande. Il y a des points intéressants, mais le truc c'est qu'on va sûrement se perdre et arriver au mauvais endroit. Donc, ça sert un peu à rien. Alors après, on peut un peu se balader, le temps de se réchauffer, j'ai envie de dire. C'est une possibilité, voir s'il n'y a pas genre un cadavre qui traîne ou un truc. Ah, et potentiellement récupérer du charbon aussi. Mais il faut absolument pas passer autre part. Faut pas sortir d'autre part. Parce que sinon, ça va nous fausser notre direction. Déjà que j'ai du mal à me rappeler quoi que ce soit. Voilà, ça c'est le chemin. C'est bon, ça fait un cercle. Donc on va aller par là. Parce que des fois il y a des petits camps avec des gens et des cadavres. Des fois ils ont de la nourriture qui traîne ou des allumettes, des conneries comme ça. Donc on n'est pas contre trouver des choses ici. Je veux pas trop sprinter parce qu'après on va se fatiguer. Mais il y a plusieurs endroits en fait pour vous mettre à l'abri tout le long du mont Timberwolf. Mais c'est un risque, comme j'ai dit. Si jamais vous prenez le mauvais chemin, en fait vous pouvez complètement tourner en rond pendant des heures. Et genre... simplement jamais arriver au sommet par exemple. On va bien juste aller un peu plus vite. Ah, une grande zone. Est-ce qu'il y a un... Oui. Voilà, il y a un truc. Il n'y a pas de charbon. Et... Yes. Ça c'est 600... Oh, il y a un charbon en plein dedans.
C'est 600 calories. Pour 0,10, c'est très très bon. Ok. On va faire demi-tour direct. Pas besoin d'aller plus loin. Je suis très content avec ce qu'on a trouvé. Ça suffira. Ça suffira. Après, j'irai explorer les grottes. Je sais pas exactement si on ira explorer les grottes. J'ai la carte en tête, en fait. Je sais comment ça fonctionne. Je sais que, par exemple, cette grotte, en fait, il y en a une qui passe de droite à gauche sur la map, hein, si on la regarde devant nous. Je peux pas vraiment dire les points cardinaux, encore une fois, parce que c'est le bordel hein, dans The Long Dark, ça vous savez. Mais je sais qu'il y a une grotte qui part de droite et on va à gauche ou vice-versa. Et du coup, en fait, ça nous empêche de monter si on fait ça. Donc c'est pas intéressant pour nous. Nous, on veut monter. Normalement, à gauche, c'est la sortie. Ouais. Donc voilà, nous, on veut monter, tout simplement. Alors, attends. La grotte, elle est là. On est à 47 kilos. On peut déjà un peu manger. Très bien. On va taper un peu dans les ressources pour se mettre, pour diminuer notre poids. Par contre... charbon, ouais. Je peux garder un charbon. Voilà, très bien. Faut se rappeler qu'on a toujours la corde sur nous. Après, on peut faire du feu. On peut faire des boissons pour réchauffer. On peut faire... genre tout le long, en fait. Dès qu'il y a une grotte et tout ça pour se mettre à l'abri, on peut le faire tout le temps. Donc honnêtement, c'est pas extrêmement dur d'avancer dans le Mont Timberwolf. Faut juste connaître les endroits. Faut juste connaître ça. Ah, intéressant. Là, par exemple, on pourrait faire un feu pour manger. À la limite, faire aussi prendre la peau. Ouais, bof. J'ai pas envie de m'arrêter en fait. J'ai tout simplement pas envie de m'arrêter. Donc on va pas le faire. Aussi une chose, je crois que c'est là où à un moment j'avais posé une corde. Et je crois que j'étais allé la récupérer pour la remettre ailleurs. Donc c'était plus intéressant. Donc la corde, on va la... Je l'ai pas touché le truc. La corde, on va la garder... on va la garder pour un endroit bien précis, si je me rappelle bien. Je crois que c'est juste avant l'avion. Et ça nous permettrait d'aller beaucoup plus vite. Alors là, vous pouvez rester. Il fait un peu plus chaud que d'habitude. Pas de beaucoup, hein, parce que vous voyez qu'on a un seul degré. Mais il fait plus chaud. 100%, très bien, des allumettes. On va prendre ça. On va faire ça. Alors, ça c'est pour faire un feu. On n'a pas vraiment besoin, mais je veux bien le prendre avec moi. Alors, si je me rappelle bien, ça c'est le mauvais côté. Ça c'est le côté avec la corde qui manque. Je vais quand même y aller juste pour être sûr. C'est ça, il est là, c'est bon. On voit le caillou, on voit le rocher. C'est la corde qui manque. Donc on peut mettre une corde là. Est-ce que c'est vraiment utile de mettre une corde juste là? Bof. C'est bof comme endroit. C'est pas très, très utile. Parce qu'en fait, vous allez sur le côté gauche et vous allez pouvoir monter aussi pareil. Et là, il y a une corde. Ah tiens, en parlant de corde, oui, c'est vrai que je vais devoir baisser mon poids. Oui, je vais devoir baisser mon poids. J'avais un peu oublié ce détail. Mais bon, on est quand même très très bon en poids. Voilà, là, vous pouvez redescendre directement. Honnêtement, je sais plus vraiment...
Je crois que ça part en dessous, en fait. Le chemin qu'on avait pris pour aller au canyon des cendres. Là, il y a des lapins. Je crois que ça part de là, en fait. Ça peut vous ramener ici. Le chemin en dessous, là. Ouais, la sorte de couloir, en fait. Pour aller au canyon des cendres. Là, on a des lapins. Nous, ce qu'on veut, c'est continuer comme ça et monter. Comme ça, voilà. C'est l'idée générale, en fait, du mouvement qu'il faut continuer à prendre. Sinon, on va se perdre et on va se planter. On n'est pas trop fatigué, ça va. Non, on est très bon. Je sais plus trop où sont les animaux. Je crois qu'ils sont plus haut. Voilà, la corde, elle est là. Je crois qu'ils sont plus haut, les animaux dangereux, les loups et tout ça. Ils sont plus sur les plateaux, en fait, de la hauteur. Donc, on devrait être tranquille. Ouais, on est tranquille. Par exemple, là, on peut faire une pause. Faire une pause et manger, mais bon, encore une fois, c'est pas extrêmement utile. On est encore en bonne santé, on n'a pas vraiment froid. Et en haut, il y aura une grotte. Y en a plusieurs, en fait, des grottes comme ça. Alors, en plus, maintenant, c'est beaucoup plus simple parce qu'il y a des grottes pour le canyon des cendres. Avant, ça n'existait pas. Alors, à la limite, peut-être, je crois que c'était un renfoncement. Peut-être vous pouviez vous mettre à l'abri, mais je suis pas sûr. Mais maintenant, il y a des grottes, en fait, des galeries, quoi. Donc, vous pouvez complètement aller dedans et... Waouh, il y a deux cordes. Vous pouvez complètement aller dedans. Il y a deux cordes. T'es sérieux? Ça veut dire qu'on pourrait en enlever une? J'ai jamais vu. C'est la première fois que je vois ça, par contre. Alors, je sais pas si c'est un bug graphique ou... Mais c'est la première fois que je vois ça. Alors, faut voir un peu le poids. 50. 44,99. Allez, c'est parti. C'est la première fois que je vois ça. Quelle corde on est en train de prendre là? Alors, est-ce qu'il y en a une qui est buggée? Est-ce que c'est un... Ou alors, est-ce qu'il y en a deux exprès et on peut en récupérer une? Alors, attendez. Prendre corde d'escalade. Ouais, mais putain, ça fait perdre du temps. Non, non, le jeu fait de la merde. Ouais, non, le jeu fait de la merde. Ah, c'est bien, on perd de la vie pour rien. C'est bien. Alors, faire attention parce que... Ouais, voilà. Très bien. On va se mettre à l'abri directement, parce que j'ai... je suis en train de geler. C'est bien, hein? Le jeu qui fait n'importe quoi. Ok, on s'est déjà débarrassé du loup, c'est très bien. On a des serres là. Donc on peut camper ici, techniquement. Parce que normalement, on voit... c'est ça? Je crois que c'est ça. Oui. Ça, c'est grotte pour le canyon des cendres. Si je dis pas de conneries. Bien. Au moins on a fixé le bug. Au moins on a fixé le bug de la corde. Très bien. Je mange le truc parce que de toute façon ça nous aide pour le poids. Bien nourri, très bien. On est bon. Alors ce qu'on va faire, attendez. Ok, grotte ici. Donc on va faire... Je sais qu'on fait ça dans le noir, c'est pas vraiment le top, mais... Attends. Ah. Allez, un petit effort, jouez avec moi le jeu. Allez, Cassandra, trouve un... Voilà, merci. Ok. Dormir une heure.
Ok, on est bon, on va continuer. Ouais, ça va, on va continuer. Ok, très bien. Quitter la grotte vers le bas, je sais pas, c'est bizarre. Ok, très bien. On va continuer. Donc là-bas, on a encore une grotte. Alors, je sais pas après s'il y a des grottes de type genre habitat, hein, d'ours, on sait pas. De toute façon, on a un mandat, on va les expulser. Donc, il n'y a pas de problème. Mais bon, c'est au cas où. Ils peuvent être un peu hargneux, hein. C'est jamais. Voilà, normalement, je crois qu'avant, il n'y avait que cette grotte-là. Genre, la grotte que je viens de prendre, là, elle n'existait pas. Parce que le canyon des cendres n'existait pas, du coup. Ok, donc on a rebois. Très bien. Ok, on a rebois, c'est bien. Tout. Alors, on est à 44,59. Alors, est-ce qu'on a un lit ici? Non, par contre, on a du charbon. Très bien. Alors, en théorie, on pourrait camper ici, c'est pas mal. C'est pas mal. Mais, on n'est pas trop fatigué. C'est un bon endroit parce qu'il y a des cerfs, en fait. C'est un très bon endroit. Là-bas, on a un loup, je crois bien. Donc, on va continuer un peu. En plus, il fait pas très froid. Hein. Là, on a de... là, on a une bonne chance. C'est bien. Ah non, c'est pas un loup, j'ai rien dit. Alors, on va continuer. Par là-bas. Alors là, je crois qu'on peut rien faire sur le côté gauche. C'est pas le chemin qu'on veut prendre, nous. Je crois. Après, on peut le prendre, mais je crois qu'on peut, on retombe, en fait. Ah non, non, non. Là, c'est, ça doit être le chemin avec la corde. Vous savez où j'ai dit qu'il y avait un endroit où il manquait la corde? Je crois que c'est ça. Donc, nous, on tomberait juste là et on pourrait continuer. Ouais, il y a encore des caisses, par contre. Mais ça, c'est des caisses en bois... honnêtement, dites-moi si vous avez trouvé beaucoup de choses dans les caisses en bois, mais le moi ce que j'ai trouvé, et j'ai jamais trouvé autre chose dedans, ce sont des accélérateurs pour le feu, là. Les petites bouteilles jaunes. C'est seulement... J'ai jamais trouvé autre chose que ça dans les boîtes en bois. En tout cas, pas de ce que je me rappelle. Donc, ouais. Pas vraiment très intéressant. Mais attendez, on va en profiter quand même parce que... Si on peut faire tout le tour du... Il y a des lapins aussi apparemment. Si on peut faire tout le tour du mont et récupérer genre toutes les baies, tous les champignons et tout, c'est vraiment vraiment cool. On est à 47,85, c'est très bien. Ouais, si on peut récupérer tout ça, honnêtement c'est très très bon. Parce que ça en fait un bon paquet et on mettra ça de côté. Le travois, si jamais il sort, on le blindera de champignons et de baies. Ah tiens, là on peut faire un feu, si vous voulez. C'est pas mal aussi comme endroit. Dans le creux de l'arbre. Alors je sais que là on va avoir un... une grotte aussi qu'on peut aller voir. C'est avec une corde. Je crois que la corde par défaut est liée. Mais ça nous met à une grotte. Ça nous mène à une grotte. Et nous, ça ne nous intéresse pas, je crois. Je crois bien. Là, on va arriver. Enfin, honnêtement, si. Si on est bon avec le temps, on va arriver à l'endroit où on doit déposer la corde. Ça, je m'en rappelle, ça, parce que j'étais... je me rappelle que j'avais, moi, la première fois que j'étais venu ici, qu'on avait fait mon Timberwolf dans la dernière saison, je pense.
J'avais déposé la corde donc à l'endroit où je vous ai montré et je crois que j'étais bien revenu en fait pour la récupérer. Parce que j'avais vu qu'on pouvait faire le chemin normalement. Au final, il y avait aussi une corde, donc ça servait à rien de la mettre. Et du coup, je l'avais mise. Ça, je m'en rappelle, ça. Donc c'est pour ça que je veux retrouver ce spot bien précis là. Ça nous permettra de descendre très vite vers le truc, l'avion. Je crois que c'est par là. Là, on peut monter si on veut, mais je crois pas qu'il y ait grand-chose. Non, je crois qu'il y a une grotte encore. Je sais, je pense. Je me rappelle plus exactement. Et vous voyez, il y a beaucoup de vie aussi, hein. Il y a des lapins, il y a des... Ah, il fait pas assez soleil pour de la loupe. Il y a des lapins, il y a des cerfs, il y a des loups. Alors, où est-ce qu'on est? Que je fasse pas de conneries. Je crois qu'il faut continuer sur ma droite. Par contre, le risque que j'ai là, c'est de d'être trop fatigué pour prendre les cordes. Ça risque de m'embêter. Mais je crois qu'il y a un endroit où il y a une grotte encore, mais par contre, elle est potentiellement habitée. Mais bon, on a un laissez-passer. Ah! Ah. Elle mène où cette corde? Elle mène où? Je crois qu'on va se reposer, on va la prendre. Je suis pas trop sûr d'où elle mène en fait. Parce que là il fait pas trop froid, donc on va en profiter. Et on va faire ça. On va faire ça. On est à 47. Pam, pam. Plus 9, 2 heures. Nickel, let's go. Ah, là aussi, la corde, elle est doublée. Oh là là. Là aussi, elle est doublée. Ok, maintenant, par contre, il fait un peu sombre. Il faut qu'on fasse attention. Ah, grotte, juste là. Parce qu'elle est habitée. Ah, c'est une grotte en intérieur en plus. Nickel. Nickel, nickel. Je vais voir un peu la gueule que ça. On va reprendre du charbon. Je pense qu'on approche de l'endroit où on veut aller. Je pense qu'on y approche. On va juste un peu se balader, tout ça, mais on va pas aller de l'autre côté, parce que sinon je vais être perdu. Mais on va regarder un peu.
Faudrait que j'aille peut-être me renseigner sur les différentes galeries du mont Timberwolf. Je sais que ça monte, ça dé... Ouh, il y a beaucoup de charbon, bon, putain. Ah! Bonjour, monsieur. Ok. Pas vraiment... Pas vraiment intéressant. Ok. Je crois qu'on a fait le tour. Ouais, ok. On revient sur nos pas. On revient sur nos pas. On va dormir une nuit entière. Le lendemain, on va dessiner la map. J'arrive pas. On va dessiner la map, ça va me donner une idée grosso modo d'où on est, ça va m'aider. J'ai peur d'avoir passé en fait le chemin où on met la corde, parce que je crois que... Je crois que je l'ai passé le chemin, l'endroit où on met la corde, ça m'embête. Ça m'embête. Nous on va se mettre... quitter la grotte, ok. Vas-y, on va se mettre là. Voilà, je sais qu'il fait noir, mais c'est pas grave. On va remanger ça. Ce qu'on mangera en premier, c'est les massettes pour éviter de taper dans la nourriture, genre ça, là. Si jamais on a besoin. Nickel. 10 heures sera trop, mais c'est très bien. Et on se réveille en pleine forme. Et on va voir un peu le temps. Bien. Ok, on est proche de du sommet. On est proche du sommet. Elle est où la corde qu'on a pris? Attendez, on va se reposer encore un peu. Le temps qu'il fasse jour au moins. Alors, attendez, parce qu'on a plein de... Voilà, ça c'est pas mal. Pas mal pour faire passer le temps. Parce que je voudrais dessiner en fait. Je voudrais, quand on sort là, je voudrais complètement dessiner l'endroit où on est. Comme ça, ça nous donnera une idée. Ok, très bien. J'ai repris le sac. Hein. Yes. Yes, yes, yes. Après, je m'inquiète pas trop pour le poids, parce que comme j'ai dit, après on va glisser le long de la montagne. Attendez, on va se mettre là. Ok, attends, on rentre. Je sais que si on fait des va-et-vient, là on n'arrête pas. Mais... Alors, faites voir. On est... Le banc isolé. Donc ça, c'est la grotte avec le sac à dos. Ça c'est la grotte avec le sac à dos avec la montée, je crois. Il y avait une corde. Je crois qu'on est moins haut que prévu. Je crois qu'on est moins haut que prévu. Ça c'est embêtant ça. Ça c'est embêtant. Je pense qu'on est... Je pensais qu'on était plus sur la gauche. Je crois qu'il faut qu'on remonte par là. Et qu'on aille sur le côté gauche, je crois. Ok, quand on sort, on va sur la gauche. Ça devrait être bon. On peut voir un peu. On va passer encore 15 minutes. On n'est pas perdu. Mais on n'est pas vraiment où je voudrais.
C'est pas grave. Ça prend un peu plus de temps que prévu. C'est pas grave. L'avion, il est là. Ah, du coup, nous on est là. Ah merde. Si on prend la grotte. Ok, on va prendre la grotte. Vous savez la règle que j'ai dit de ne pas prendre la grotte? On va prendre la grotte. On va prendre la grotte. Ça va nous mener de l'autre côté. On va voir ce que ça va nous donner. Parce que là, en fait, si je redescends, je risque de me reperdre. On va voir. On est reparti. Aïe, 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 aïe. Ah, le Mont Timberwolf, c'est un peu catastrophique. Ok, c'est parti. On allume. Oui, par contre, j'ai peut-être un peu abusé sur le... On est reparti. On a encore du charbon, c'est bien. Mais je l'ai pas pris le charbon. Tu vas me dire qu'il est revenu aussi vite? Ah, c'est bizarre. On va passer directement à gauche. On n'a point peur, nous sommes un aventurier. Donc, nous vivons des aventures en espérant que ça ne soit pas la dernière, hein, évidemment. Voilà, très bien. Passer par là. Là-bas, c'est où c'est qu'il y avait le camp, là, le petit camp. Ok, on est bon, on est bon, on est bon. En théorie, là, ça devrait pas. Peut-être nous aider en fait. Ça monte, ouais, ok. Ouais, ça va nous aider. Tiens, on va prendre ça. Si jamais on voit des animaux, on va... Ouais, on va les chasser. Peu importe ce que c'est. De toute façon, on a du charbon pour augmenter, pour bien augmenter la chaleur. Donc à la limite, on fait un feu en plein milieu de la plaine et on mange. Faut absolument qu'on mange. Ok, très bien. Parce que je veux pas taper dans les réserves. Bien, on va y arriver. Ok. Alors maintenant, ok, corde ici, c'est bon signe. Corbeau là-bas, c'est bon signe. Ça marche. Donc là, ok, on est... Ouais, ok, on est... Plus proche, ça marche. On est bon, on est bon, on est bon, on est bon. Par contre, c'est le chemin, c'est l'endroit en fait pour mettre la corde. Je suis pas certain en fait de l'endroit où on peut mettre la corde. Ça m'embête. Je vais essayer de voir là-bas, là au bout. Oh, c'est un cerf, je crois. Oh, lapin. Corde, ou ça doit être la dernière corde, je pense. On a froid, ouais, on a froid. Attendez. On va faire ça.
De toute façon, on va se réchauffer à côté du cadavre. Ok, ok. Ah, vous croyez qu'on peut utiliser la loupe? Ça coule. Ok, donc ça, je crois que c'est la dernière corde à prendre. Est-ce qu'il y a une grotte? Oh, il y a une... Oh yes! Oh, il y a une corde aussi là! Ok. Bon, vous voyez, on n'avait pas besoin de trop s'en faire. Il y a aussi une corde ici. Ouais, j'avoue que là... Non. Oh, attends. Yes! On va en profiter, on va faire péter le feu. Hein, parce que faut se réchauffer. Et du coup, il y a une corde ici, ça tue. Du coup, il y a une corde, donc j'ai théoriquement pas besoin de m'en faire. J'aurais pu la mettre en bas. Ah, j'étais pas sûr. Bon, c'est peut-être un peu abusé. Alors. Nickel. Alors, 24 minutes. On va prendre la viande du lapin. Alors, vous savez que s'il y a une corde ici, ça veut dire... Ah, attendez, là, on peut déposer une là. Ça veut dire qu'il y a potentiellement un endroit pour mettre la corde. Et je crois que c'est là. Bon, ça m'embête de... Oui, du coup, de me trimballer une corde pour rien, en fait. Alors, attendez, si on a la corde là, ça doit être la dernière avant le... Avant le... L'avion. Oh, ça doit être là. Ok. Ouais, donc on n'a pas besoin de cordes. Bon, c'est pas grave. Ce n'est pas grave. Très bien, fais voir un peu. Faut que j'aille récupérer ma viande. Sinon, on va avoir des problèmes. Donc, on a deux cordes, ok. Par contre, du coup, est-ce qu'on a besoin de la nôtre? Ouais, bah si, on va, faut la prendre avec nous, de hein, toute façon, c'est notre corde. Really. Ouais, non, il faut la prendre avec nous. Ça m'embête, parce que c'est du poids. Mais bon. Brûler dans 2000, oula. Ouais, non, 17, très bien. J'aurais bien voulu qu'il y ait un peu plus de nourriture. Ah!
Ah. Ouais, non, du coup, ouais. Ah, ça m'embête le coup de la corde. Je sais pas si on devrait pas la laisser là. Non, il faut la ramener à la maison. Non, il faut la ramener. Par contre, on peut pas se cacher là, hein. C'est trop froid. Bon, on va retourner dans la grotte. Je veux pas prendre la corde avec une vue comme ça. Parce que moi, je veux pouvoir dessiner après la corde. Elle était sur la droite ou la gauche, je me rappelle plus. Je crois que c'était la gauche. Oui, la gauche, parce que je suis parti de la gauche pour aller monter sur le... sur la petite butte là pour un peu mieux voir. Oui, je crois. On peut sprinter. Merde, non. Elle est en hauteur, la grotte. Jesus, it's cold. Ah oui, elle est en... Ah oui, putain, elle est en hauteur. Merde, mais on peut remonter ou pas? Ah, oh, je crois que j'ai fait exact... Oui, non, c'est bon. Je crois que j'avais fait exactement les mêmes commentaires. Oh, putain. On est bon. Je crois que j'avais fait exactement les mêmes commentaires. Les dernières saisons qu'on avait fait ça. Je me rappelle vaguement d'une chose comme ça aussi. Ok, on va se mettre là. Ok, on est bon. Nickel, on est full, ça c'est bon. Donc ouais, donc bah, vous le saurez, maintenant il n'y a pas besoin de corde, parce qu'il y en a une là. Mais on va la garder avec nous. Par contre, on est déjà à 47. Donc, avant de dormir un peu, parce qu'il faut qu'on laisse passer la tempête, il va falloir qu'on se débarrasse un peu de quelques kilos. Ah oui, c'est 1 kilo le bois. Ouais, le bois de chauffage de sapin, c'est très lourd. Ok, on peut même en reprendre si on veut. Je crois que le charbon est mieux. Enfin, pour le poids, oui, mais c'est surtout pour la chaleur, je crois. Ok. Parce que, une fois qu'on sera à l'avion, dans la carcasse, il fait froid. Enfin, c'est pas une protection, vraiment. Ça protège du vent, mais basta. Je crois qu'il y a une grotte, par contre, mais je suis pas sûr. En fait, près de la carcasse. Je suis pas sûr qu'il y ait une grotte. Je crois qu'on a toujours... on a toujours le... On a toujours la tempête. Ça m'embête un peu. On va dormir encore pour éviter d'utiliser trop de calories. Vu le bruit, je crois qu'on a encore la tempête. 41, 44. Ça. Je vais voir un peu. Ouais, je crois qu'on a toujours la tempête. Ouais. Ah, ça c'est embêtant.
Ça, c'est très très embêtant. Parce que là, on est vraiment à la dernière ligne droite, en fait. Alors, maintenant, je peux plus vraiment me reposer. Bon, bah. Passer le temps. Est-ce que j'ai des livres intéressants du coup? Donc on a dépecé. Mais dépecé, on est déjà à 5. Hein. Cuisine, carcasse 5, tir à l'arc 5. Oui. Donc pas très intéressant. On a allumage de feu. C'est ça? C'est allumage de feu celui-là? Allumage de feu. Ça, oui. Ça, à la limite, ça peut être intéressant. Pourquoi pas? C'est marrant parce que ça monte rien en fait, j'ai l'impression. Par contre, je crois que ça s'est calmé, parce que j'entends plus le son. On commence à avoir un problème avec l'eau. C'est un problème. Enfin, c'est pas un problème, mais on commence à baisser en eau. Ok, let's go. On a bien tout pris. J'ai pris le sac de couchage? Il est où? Oui. Ok, on va pas courir, mais j'ai bien envie. Je voudrais récupérer d'abord les champignons là. Et après on monte. Elle est un peu mal tombée cette tempête, surtout que. On a perdu notre feu. J'aurais bien voulu que notre feu finisse. Enfin, qu'on puisse faire un peu d'eau et tout, qu'on soit vraiment bien. Mais bon, on a pu faire cuire le cerf et tout, c'est déjà bien. De gibier, c'est déjà ça. Ah merde. Ok, maintenant corde. Plus c'est une grande corde. Ah, c'est une grande corde. Ça, c'est la. Ouais, c'est une grande corde. Est-ce qu'on va être... est-ce qu'on va avoir des problèmes? C'est possible. On va aller se reposer. Vous savez quoi? On va aller se reposer et on fera ça pour le prochain épisode. On va s'arrêter sur un cliffhanger, ok? Ouais. Est-ce que c'est une grande corde? Je pensais pas que c'était une aussi grande corde, mais il y a deux rochers, je crois. Un, deux... Ouais. Il y a deux rochers de pause. Donc, c'est un peu dangereux. Surtout qu'il fait très froid. Donc du coup ça veut dire qu'on va pas pouvoir genre dormir sur un rocher. Enfin oui on peut, évidemment, mais on risque de geler sur place. Donc j'ai pas envie de faire ça. Donc on va se reposer à fond. Ah mais on peut peut-être passer par là. On va se reposer à fond et est-ce que je peux passer par là? Ah oui, pas mal là. Et on verra ça la prochaine fois. Je crois que c'est le plus sage. En fait, il faudrait se reposer sur un rocher. Juste pour reprendre notre souffle et notre endurance. Et basta. Faut pas dormir en fait sur le rocher. Donc on va faire ça. Ok. On va dormir. Merci beaucoup d'avoir regardé. À la prochaine. Portez-vous bien. La prochaine fois, on finira notre ascension. On est vraiment bien. Honnêtement, on est bien. On est bien.
Là, on a les deux cordes. L'avion, il est là. L'avion, il est là. Et après, on peut directement faire... Ouh, ligne droite. On retombe sur le cabanon. Donc, on va se blinder de tout ce qu'il y a là-haut. Comme ça, on n'a plus besoin d'y retourner. C'est pour ça que je veux tout prendre, en fait, tout ce qui reste. Parce que là, on ne va pas repartir, en fait, de ce côté-là. Donc, on va faire directement ligne droite. Et après, quand ce sera vidé de tout... Potentiellement, je pense que je ferai un second épisode où je récupérerai tout, où je le montre, où je le montre pas, je sais pas. Mais après, il y a le côté gauche. Le côté gauche du monde Timberwolf est vachement sympa aussi. C'est plus avec des forêts et tout ça, avec des arbres et tout. Mais il y a aussi un système de cordes et de grottes et tout assez intéressant. J'aime bien le monde Timberwolf, honnêtement. J'aime beaucoup le monde Timberwolf. À la prochaine. Portez-vous bien. Ciao.